Cette semaine, j'avais vraiment pas envie de faire de vidéo. J'avais pas d'énergie. Mais justement, je me suis dit que ça serait une bonne occasion de vous parler de motivation. Parce que ce soit pour enregistrer une vidéo ou pour apprendre une langue, la motivation, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment un facteur de réussite. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que j'ai réussi à me motiver pour l'enregistrer. Donc, je vais vous donner quelques conseils, je vais vous dire comment j'ai fait. Et j'espère que ça va vous inspirer pour votre apprentissage du français. En ce moment, j'ai vraiment la flemme. Ça, c'est une bonne expression française. Avoir la flemme, ça veut dire qu'on n'a pas d'énergie et qu'on n'a pas de motivation. Et on peut dire avoir la flemme de plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, en ce moment, j'ai la flemme de travailler. Ça veut dire que vous n'avez pas d'énergie, vous n'êtes pas motivé pour travailler. Donc moi j'ai un peu la flemme parce que à Varsovie il fait très beau, il fait très chaud en ce moment, donc j'ai plus envie d'aller me promener dans un parc, de sortir, de voir mes amis que de m'enfermer chez moi pour faire des vidéos. Mais malgré tout, j'ai réussi à me motiver pour enregistrer la vidéo que vous regardez maintenant. Et c'est vrai qu'avec les langues, c'est parfois un peu la même chose. Il y a des phases où on n'a aucune motivation, on n'a pas envie d'être en contact avec la langue, peut-être qu'on a beaucoup de travail ou qu'on a d'autres problèmes, et dans ces moments-là, c'est difficile de trouver l'énergie nécessaire pour apprendre, pour faire du français. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que j'ai fait pour me remotiver, c'est de me rappeler de mon objectif. Si vous avez regardé ma première vidéo, celle que j'ai postée cette année, j'ai dit dedans que mon objectif, c'est de publier une vidéo chaque semaine. Une nouvelle vidéo chaque semaine. Comme j'ai partagé cet objectif publiquement avec vous, il y a une forme d'engagement et j'ai pas envie de vous décevoir. J'ai pas envie de vous laisser tomber. Ça, c'est une autre bonne expression. Laisser tomber, en général, ça veut dire abandonner. Et vous pouvez aussi laisser tomber quelqu'un. Si vous laissez tomber quelqu'un, ça veut dire que vous abandonnez cette personne, que vous n'allez pas l'aider. Moi, j'avais pas envie de vous laisser tomber. J'ai vraiment envie de faire une vidéo pour vous chaque semaine. Il y a déjà une semaine où j'ai pas pu le faire, malheureusement, parce que j'avais oublié mon ordinateur chez un ami. Donc vraiment, techniquement, c'était impossible pour moi de faire cette vidéo. Mais à part ça, c'est vraiment une résolution que j'ai envie de tenir pour vous. Et ça, c'est la même chose si vous apprenez le français. Si vous avez un objectif et qu'à un moment donné, vous êtes démotivé, il faut essayer de vous rappeler de cet objectif. Pourquoi vous apprenez le français? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Mais attention, il faut bien choisir cet objectif. Bon, il y a plusieurs techniques pour choisir un bon objectif. Par exemple, souvent on parle d'un objectif SMART, qui est spécifique, qui est mesurable, qui est atteignable, bon, etc., etc. C'est pas très important. À mon avis, pour moi, ce qui est important, quand on choisit un objectif, c'est que ce soit un objectif sur lequel vous avez un contrôle total. Par exemple, moi, mon objectif, c'est pas d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui peux décider de ça. Je peux faire mon maximum, mais j'ai aucune influence sur les décisions des gens et je peux pas les forcer à s'abonner ou non à ma chaîne. Par contre, un objectif sur lequel je peux avoir un contrôle total, c'est de publier une vidéo chaque semaine. Ça ne dépend pas des autres, ça ne dépend pas de facteurs extérieurs, ça dépend seulement de moi. Donc ça, c'est un bon objectif, un objectif qui dépend seulement de vous. Et puis ce qui est pas mal aussi, à mon avis, c'est d'avoir un objectif qui soit aussi un peu une contrainte. Donc moi, cet objectif, poster une vidéo chaque semaine, c'est aussi une contrainte parce qu'il y a une date limite et je sais, chaque semaine, c'est 7 choses que j'ai à faire, je dois publier cette vidéo. Donc ça me met dans une bonne dynamique et finalement, cette contrainte, ça devient quelque chose de positif parce que ça me pousse chaque semaine à faire cette vidéo. Ensuite, une deuxième chose importante, c'est de réduire les zones de friction.
Quand j'enregistre une vidéo, j'ai beaucoup de choses à installer, je dois mettre les lumières, je dois bien positionner la caméra, le micro, ajuster les réglages de la caméra, etc. Ce qui fait que ça demande pas mal de préparation. Et c'est assez facile quand je pense à tout ça de me démotiver. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me piéger moi-même. Je me suis dit, ok, je vais pas installer tout le setup habituel. Je vais simplement poser ma caméra dans un coin avec une bonne lumière et puis je vais commencer à parler et enregistrer cette vidéo. Et en me disant ça, finalement, ça a été facile de me motiver parce que je me suis dit que ça allait pas prendre trop de temps, que ça allait être facile. Et avec l'apprentissage du français, c'est un peu la même chose. Il faut essayer d'éviter les zones de friction. Autrement dit, il faut avoir des contacts faciles avec la langue. Par exemple, si votre téléphone est en français, si dans les réglages vous avez choisi de mettre votre téléphone en français, vous allez avoir ce contact direct avec la langue. C'est la même chose si vous vous êtes abonné à des chaînes en français sur YouTube. Quand vous allez arriver sur la page d'accueil, vous allez voir toutes ces suggestions de vidéos et ça va être facile pour vous de commencer à faire du français, même inconsciemment. Peut-être que vous allez voir une image qui vous semble intéressante, vous allez être curieux, cliquez, commencez à regarder la vidéo et là, finalement, eh bien, vous allez faire du français. Donc c'est ça que je veux dire quand je parle de zone de friction, c'est d'essayer d'avoir un maximum de contacts et de faire en sorte que apprendre le français, ça soit quelque chose qui soit accessible et qui soit simple pour vous. Par exemple, si vous apprenez seulement avec un livre bien spécifique et que vous oubliez ce livre à la maison, bah, vous n'allez pas pouvoir faire du français dans le métro quand vous allez au travail. Par contre, si dans votre téléphone, vous avez toujours des podcasts en français qui sont téléchargés, eh ben, c'est assez facile pour vous de sortir votre téléphone et de commencer à écouter un podcast en français. Ça demande pas beaucoup de motivation. La troisième chose importante pour se motiver, c'est de casser la routine. Parfois, quand on manque de motivation, c'est parce qu'on est arrivé à un certain plateau. On n'a pas l'impression de faire de progrès, il y a une routine qui s'est installée et c'est difficile de se motiver. Parce que ce qu'on fait, c'est devenu assez facile, ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts, mais c'est pas très fun, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que c'est bien de temps en temps de changer ses habitudes et de casser la routine. Moi, j'ai mis la caméra dans un nouvel angle que j'avais jamais utilisé avant. Voilà, j'ai le bras un peu posé comme ça, une position un peu bizarre. Mais ne serait-ce que changer cette petite chose, changer de décor et changer d'angle, eh ben, ça m'a permis de me motiver à faire cette vidéo. Concrètement, pour l'apprentissage du français, qu'est-ce que ça veut dire changer sa routine ? Bah, par exemple, vous pouvez décider de commencer à écrire un journal intime. Ou alors, vous pouvez chercher un nouveau podcast que vous connaissez pas, une nouvelle chaîne YouTube, vous pouvez décider de chercher un nouveau partenaire de langue, de commencer un cours dans une école. Bref, faites quelque chose que vous n'avez pas encore essayé. Et au début, ça va peut-être être un peu difficile, mais à moyen terme, ça va vous redonner de l'énergie et du plaisir pour apprendre la langue. Ensuite, il faut accepter que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments très joyeux, des moments très positifs, et d'autres qui sont plus tristes, on est dans une situation plus difficile. Des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et moi, c'est la même chose avec cette vidéo. Peut-être que ça va pas être la meilleure vidéo de ma vie, mais finalement, à la fin de l'année, quand j'aurai publié une cinquantaine de vidéos grâce à mon objectif de publication hebdomadaire, eh ben, je serai content d'avoir toutes ces vidéos, même s'il y en a certaines qui sont un peu moins bien. C'est pas grave, l'important c'est d'avoir cette collection, d'avoir cette bibliothèque de vidéos, parce que grâce à ça, ça me permet d'aider plus de personnes. Et c'est exactement la même chose quand on apprend une langue. Je vous dis souvent qu'apprendre une langue c'est un marathon, pas un sprint, et ça veut dire qu'il y a des moments qui sont plus faciles, où vous avez l'impression de progresser rapidement,
Et d'autres, au contraire, où vous êtes peut-être sur un plateau, vous avez plus de mal à faire des progrès, ou c'est assez frustrant. Tout ça, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Il ne faut pas se stresser à cause de ça. Si vous apprenez à accepter ces moments-là, ça va devenir plus facile pour vous d'attendre qu'ils passent et de rester motivé pendant tout ce marathon. Et puis ces moments un peu difficiles, ces moments où vous faites moins de progrès, ça peut être une bonne occasion pour prendre le temps de la réflexion. Ça veut dire pour essayer de faire une pause, de vous analyser, de comprendre pourquoi vous êtes à un plateau, ce que vous pouvez faire différemment peut-être. Bref, utilisez ces moments pour faire une pause, pour vous analyser un peu, et comme ça va vous permettre à long terme de continuer ce marathon sans vous essouffler, sans perdre votre motivation. Et pour finir, la cinquième et dernière chose qui me semble importante en matière de motivation, c'est de découvrir ce qui vous motive. Chacun est différent, on a tous des objectifs et des facteurs de motivation différents. Moi, par exemple, ce qui me motive avec ces vidéos, c'est les messages que vous m'envoyez, c'est d'avoir votre reconnaissance. C'est de lire les commentaires et de voir que je vous aide, que vous aimez ces vidéos, que vous les trouvez vraiment utiles. Tout ça me motive vraiment à continuer ce travail et à continuer de faire des vidéos pour vous. Donc voilà, essayez d'identifier ce qui vous motive. Est-ce que c'est de parler avec des Français? Est-ce que c'est d'être capable de lire un livre en français? Essayez de voir ce qui vous donne du plaisir, ce qui vous motive. Concentrez-vous là-dessus. Ça peut être une idée aussi de l'écrire sur un post-it et de l'afficher quelque part chez vous, en évidence, comme ça vous l'avez toujours sous les yeux. Essayez de prendre le temps de faire ça, de bien identifier votre source de motivation, et je vous garantis que ça va rendre votre apprentissage du français beaucoup plus agréable et aussi plus facile.